Chapter 4 of the Expression Idiom course, we are going to learn 40 expressions about faire. You will see, very easy. If you want to see the schedule of the course, feel free to go on my website. The link is in the description box and you can see all the videos coming up. The first one, ça commence à bien faire. Ça commence à bien faire. Literally, it is starting to do well. But the meaning is technically enough is enough. Enough is enough. Ça commence à bien faire. Ça commence à bien faire. Va dans ta chambre. Ça commence à bien faire. Va dans ta chambre. Ça ne fait rien. It does nothing. Ça ne fait rien. But it means it's nothing. It's not a big deal. It's okay. Ça ne fait rien. J'ai raté mon train. J'aurai une heure de retard. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. No big deal. Ça ne fait rien. This one, I really like it and also it's very interesting for you to learn it. Ce n'est pas à un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces. You don't teach an old monkey to make faces. It means to not be born yesterday. Not. You can't teach an old dog new tricks. Those are two different things. Okay? It means to not be born yesterday. Il pensait que je ne verrais pas qu'il sortait le soir, mais ce n'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces. Il pensait que je ne verrais pas qu'il sortait le soir, mais ce n'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces. Être à deux doigts de faire quelque chose. To be two fingers away from doing something. Which means to be on the verge of doing something, to be this close, this close. Quand je l'ai vu ce matin, il était à deux doigts de démissionner. Quand je l'ai vu ce matin, il était à deux doigts de démissionner. Faire, mettre. Technically, to do, meter, centimeter. But realistically, it means to measure, to be, and then how much you measure. For example, je fais 1m65. Je fais 1m65. And now I'm not sure, maybe 64. Doesn't change much. Je fais 1m65. Faire attention. Faire attention, to make attention. Which means be careful to pay attention, to be careful to pay attention. Tu ne fais jamais attention à rien. Tu ne fais jamais attention à rien. Ok? Faire avancer le schmilblick. It's a familiar expression. Not that it's bad, it's just a familiar expression. That's it. Faire avancer le schmilblick. To advance the schmilblick. That just means to get things done. Il faut faire avancer le schmilblick. Autrement, on n'aura jamais fini. Il faut faire avancer le schmilblick. Autrement, on n'aura jamais fini. Faire chanter quelqu'un. I've talked about this one a few times, I believe. To make someone sing. But in reality, it means to blackmail someone. Faire chanter quelqu'un. Il trompe sa femme depuis longtemps. J'ai même entendu dire que sa maîtresse le faisait chanter. Elle veut tout révéler à sa femme. Il trompe sa femme depuis longtemps. J'ai même entendu dire que sa maîtresse le faisait chanter. Elle veut tout révéler à sa femme. Faire chanter quelqu'un. Faire confiance means simply to trust. Je te faisais confiance, mais tu m'as trahi. Je te faisais confiance, mais tu m'as trahi. Faire d'une pierre deux coups. Which I prefer this one than your English one, because ours mean to make two hits with one rock. For you, to kill two birds with one stone. Why do you have to kill birds? I mean, come on, it's not very nice. So I prefer this one, I prefer the French version of it. Est-ce que tu peux t'arrêter à la banque en allant faire les courses? Ça fera d'une pierre deux coups. Est-ce que tu peux t'arrêter
à la banque en allant faire les courses, ça fera d'une pierre deux coups. This one, I've talked about it many, many, many times. We have faire de l'exercice, faire du sport. To do exercise, to do sport. That means to exercise, to work out. Et il faut faire de l'exercice 3 fois par semaine pour rester en forme. Il faut faire de l'exercice 3 fois par semaine pour rester en forme. Faire demi-tour, to make a half turn. But it really means to do a U-turn, to turn around. Faire demi-tour. Le conducteur a fait demi-tour après avoir pris la mauvaise sortie. Le conducteur a fait demi-tour après avoir pris la mauvaise sortie. Very similar one to the one we just saw before. We have faire du. It can be shoe size or clothing size. So, to do, but in reality you can say I am a. Je fais du 39 en pointure de chaussure. Je fais du 39 en pointure de chaussure. I'm a 39. Okay? I just talked about this one on my other channel, French Chit Chat with Dylan. Faire du shopping. I will link it in the description box if you want. Faire du shopping means to go shopping, but for clothes, for shoes, for anything fun, but not food. On va faire du shopping au centre commercial dans une heure. Est-ce que tu veux nous accompagner? On va faire du shopping au centre commercial dans une heure. Est-ce que tu veux nous accompagner? Faire exprès de. Faire exprès de. To do something on purpose. Faire exprès de. Tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Faire la connaissance de. To get to know someone, to meet someone. Very easy. Je n'ai pas eu la chance de faire la connaissance de tes grands-parents. Je n'ai pas eu la chance de faire la connaissance de tes grands-parents. Faire la queue, faire la file. To do the queue. Meaning to queue, to stand in line, to line up. Les voyageurs font la queue à l'aéroport pour prendre leur avion. Les voyageurs font la queue à l'aéroport pour prendre leur avion. Faire la queue, la file. Another familiar one. Faire la tête. Faire la gueule. Faire la tête is okay, but faire la gueule is definitely the most familiar one. To make the face, to be mad. Tu fais la gueule, tu ne me parles plus beaucoup. Tu fais la gueule, tu ne me parles plus beaucoup. Suspicious. Faire le malin, to do the clever, it's also a familiar one. Which means to show off. Ne fais pas trop le malin, car cet homme-là, ce n'est pas un gentil. Ne fais pas trop le malin, car cet homme-là, ce n'est pas un gentil. Faire le poirier, to do the pear tree. I don't know why, don't ask, but it basically means to do a headstand. Je savais faire le poirier quand j'étais jeune. Mais plus maintenant. Je savais faire le poirier quand j'étais jeune, mais plus maintenant. I've never been good at that, personally. Never been my strong point in life. Gymnastics, not my thing. This one was probably more for me. We'll say faire les 400 coups. For my defense, I have a lot of brothers. Faire les 400 coups. To make the 400 moves. That means to act up. L'enfant que j'ai gardé ce week-end n'était pas sage. Il a fait les 400 coups. L'enfant que j'ai gardé ce week-end n'était pas sage. Il a fait les 400 coups. Another one with numbers. Faire les 100 pas. To do the 100 steps. Which means to just, you know, pace around.
Cet homme fait les 100 pas en attendant que sa femme sorte de chirurgie. Cet homme fait les 100 pas en attendant que sa femme sorte de chirurgie. Very, very easy one to understand. Faire les choses à moitié. To do the things halfway. To do a half job. To do things by halves. To leave a job half finished. Si tu fais les choses à moitié, c'est normal que tes clients ne soient pas contents. Si tu fais les choses à moitié, c'est normal que tes clients ne soient pas contents. To pretend means faire semblant de. Faire semblant de. Il fait toujours semblant d'étudier, mais ses résultats ne sont jamais bons. Il fait toujours semblant d'étudier, mais ses résultats ne sont jamais bons. Faire ses valises, pretty self-explanatory. So we don't say to pack in French, we say to do our bags, to do our luggages, which means obviously to pack one's bags. Fais tes valises, on s'en va. Fais tes valises, on s'en va. Faire tâche. Faire tâche means literally to make stain. But the meaning is to not fit in. Ce fauteuil ne va pas très bien dans le décor. Ça fait tâche. Ce fauteuil ne va pas très bien dans le décor. Ça fait tâche. Faire un clin d'œil means to do a wink. Technically, to wink, simply. Est-ce que tu as vu qu'il t'a fait un clin d'œil? Est-ce que tu as vu qu'il t'a fait un clin d'œil? I've never been good at that because I have very small eyes. So, I don't think people notice. Faire un geste means to do something about the price. C'est un peu trop cher pour moi. Est-ce que vous pouvez faire un geste? C'est un peu trop cher pour moi. Est-ce que vous pouvez faire un geste? Faire une croix sur quelque chose literally means to make a cross on something. So this one is also pretty self-explanatory. That means to give up on something, to forget about something. Tu peux faire une croix sur ton augmentation si tu n'obtiens pas ce contrat. Tu peux faire une croix sur ton augmentation si tu n'obtiens pas ce contrat. Faire vibrer la corde sensible. To make the sensitive cord vibrate. That means to tug at your heart strings. Les organisations font toujours vibrer la corde sensible pour recevoir plus d'argent. Les organisations font toujours vibrer la corde sensible pour recevoir plus d'argent. We are almost done. This one, l'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine. The outfit doesn't make the monk. That means it's not the clothes that make the man. Je ne pensais pas qu'il était chef d'entreprise. L'habit ne fait pas le moine. Je ne pensais pas qu'il était chef d'entreprise. L'habit ne fait pas le moine. For this one, I almost didn't have enough space. We have la goutte d'eau qui fait déborder le vase. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. The drop that makes the vase overflow. You have the same in English, but for you, it means the straw that breaks the camel's back. Quand il a vu le message d'un autre homme sur son téléphone, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Quand il a vu les messages d'un autre homme sur son téléphone, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Déborder le vase. Ne faire ni chaud ni froid. It's neither hot nor cold. Means I couldn't care less. To feel indifferent. Cette nouvelle ne me fait ni chaud ni froid. Cette nouvelle ne me fait ni chaud ni froid. Good one. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Meaning, why make it complicated when it can be simple? Tu as raison,
Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Tu as raison. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? So usually, if you see someone doing way too much instead of going the simple way, well, you can just say that. Another familiar one, we have se faire chier. Se faire chier, to be bored, but in a very, very, very familiar way. On se fait chier. On était censé aller au restaurant, mais il n'y avait personne pour nous conduire. On se fait chier. On était censé aller au restaurant, mais il n'y avait personne pour nous conduire. Now we have to make movies, which means se faire des films. Se faire des films. Which is in English to be paranoid. Ta femme avec un autre homme? Tu te fais des films. Elle travaille beaucoup, c'est tout. Ta femme avec un autre homme? Tu te fais des films. Elle travaille beaucoup, c'est tout. So to make movies, you make yourself a whole thing. Does it make sense? Three more for today. We have se faire désirer. To like to be desired, to play hard to get. Elle arrive toujours en retard car elle aime se faire désirer. Elle arrive toujours en retard car elle aime se faire désirer. Se faire un sang d'encre. Se faire un sang d'encre literally means to make blood out of ink, meaning to be worried sick. Elle se fait un sang d'encre car son mari a un travail dangereux. Elle se fait un sang d'encre car son mari a un travail dangereux. The last one for today we have se faire une raison, to make up your mind. Se faire une raison. Il faut que tu te fasses une raison. Ce voyage doit être repoussé. Il faut que tu te fasses une raison. Ce voyage doit être repoussé. Se faire une raison. That's it for today. I hope it was not too long for you. I will be back on Friday for a lesson about expression and idiom, of course, about the verb mettre. It will be shorter than this one. It will only be 20 sentences, 20 expressions and idioms. So I will see you on Friday. À vendredi.